Signaler. Vous allez signaler. On va sauf que continuer le direct. Continuez à signaler. Vous signalez, je reviens. Rien à foutre. Vous signalez, je reviens. Vous signalez, je reviens. C'est quoi? Vous êtes là, vous signalez, vous signalez. Faites vos histoires dans vos murs. J'ai rien à foutre. La PDG ne parle plus les non-sens. La reine-mère ne parle plus des non-sens. Donc vous me laissez mon direct tranquille. Bande de jaloux. Et des griffleurs de la chicotte des jaloux. Vous êtes jaloux. Vous ne serez jamais. Vous êtes jaloux de mon direct. Vous êtes jaloux. Oui, tonton, je te rappelle. Moi, je l'appelle tonton parce que quand il me dit... Tonton, je t'appelle tonton. Excuse-moi, c'est pas pour te vieillir. C'est le respect. Tu sais, quand tu appelles quelqu'un tonton, quand tu me dis que tu es arrivé en France en 89, je me rends compte qu'en 89, je n'avais que 9 ans et demi. Donc, c'est pour ça que je t'appelle tonton. Les gens, ils signalent. Signalez le direct, sinon, on va sauf que faire. Et moi, je dis ceci. Le dialogue, un débat, c'est pas le boubouboubou. Un débat, on est dans un débat. Arrêtons de dramatiser et de vouloir dire n'importe quoi. C'est un débat. C'est un débat. On le fait avec beaucoup de respect. OK? On ne peut pas commencer parce que vous qui commentez là, arrêtez souvent de dramatiser. Je ne veux plus que certaines personnes viennent ici là me parler n'importe quoi sur mon direct. OK? C'est mon mur Facebook. Je dirige le débat de ce soir. Nous parlons essentiellement de... la violence conjugale, les premières causes et les victimes. Parce que les victimes sont directement les enfants. Les victimes des violences conjugales sont les enfants. Les gens qui me signalent les haineux, j'en ai rien à foutre avec vous. Je suis votre chicotte. Je suis la reine-mère des reines-mères. La PDG, l'incontournable. C'est comme ça et pas autrement. OK? Donc, vous allez marcher à ma guise. Vous allez marcher comme on veut. On discute tous ensemble. Bibi Ange, Doudou Ngamba. Donc, je vais appeler le monsieur qui va parler parce qu'on doit l'écouter. Arrêtez souvent de dire que, oui, les problèmes de couple, le monsieur se sent, il est concerné et puis il pense qu'il est bien placé pour le dire. Il pense peut-être qu'il est une victime. Il a le droit de s'exprimer. Arrêtez de dire que la vie privée. Quand vous parlez de violence conjugale, bon, vous voulez que ceux qui appellent, ils appellent seulement pour parler des gens. Ils parlent seulement que j'avais un oncle, j'avais une soeur. Ils ne parlent pas de lui-même. Moi, je préfère les gens qui parlent d'eux. Quand on dit violence, tu appelles, tu dis moi, j'ai été victime. Je suis une victime. J'ai vécu ça, ça, ça avec un homme. Ce n'est pas que ma soeur, ma copine. Parce que vous êtes que même quand c'est vous, vous dites que c'était une copine. Je préfère quelqu'un qui appelle. Et dit que moi, Flore, j'ai été victime. J'ai vécu avec... chacun a sa version. Chacun a sa version. Chacun est libre. On est dans un débat où les gens sont libres de parler. J'appelle le monsieur. Il parle. Il veut s'exprimer. On le laisse s'exprimer. Qu'est-ce qu'il y a? On le laisse s'exprimer. On n'est pas là pour commencer à entrer que ça avait d'abord fait qu'on peut tous parler ensemble. On peut même être sur une table, même toutes ces clasheuses-là. Le débat, on peut même faire un direct conférence. Chacun, on n'est pas obligé de crier pour se faire entendre. On n'a pas besoin de montrer trop ceci pour se faire entendre. Il est le concerné, il a le droit de s'exprimer. Comme quelqu'un d'autre, ne m'appelez pas seulement pour dire que vos copines. Parce que chaque fille africaine qui a vécu en Afrique, qui a vécu avec quelqu'un, a déjà été un jour violentée. Que ce soit même violence physique, morale et tout qu'on sort. On connaît beaucoup ça en Afrique. Laissez les gens s'exprimer. D'accord? Donc, je l'appelle, il s'appelle comment le profil? Parlons de ce qu'on a vécu. Ne parlons pas des gens. Apprenez à parler aussi de vous. Ne parlez pas souvent, surtout des gens. Soit... vous pouvez parler parce que vous êtes un témoin clé, un témoin direct qui a vécu quelque chose. Comme la première fille qui est intervenue, elle a parlé, elle a dit que sa grande soeur, elle ne se cache pas, elle dit que le mari de sa grande soeur. Ne parlons pas seulement que parler de vous-même. C'est une thérapie de s'exprimer, d'accord? Donc on est 800 là, je peux appeler le monsieur, il va s'exprimer. Lolo, connecte-toi, hein? Et dis à Mana, Lolo est là, non? Ok, d'accord. J'appelle
ton beau-frère. Et c'est ton beau-frère à vie. Rien ne changera ça. Rien ne viendra changer que il est ton beau-frère. C'est bien. Ça, c'est un homme courageux. Parce qu'il a entendu que Fleur de Lys a prononcé son... l'a indexé dans un direct. Je ne connais pas comment il s'appelle, mais j'ai dit le père des enfants de Mana. Il s'est senti directement concerné. Aujourd'hui, je parle d'un sujet. Pourquoi il n'a pas parlé depuis? C'est parce que j'ai parlé d'un sujet qui touche ce sujet, la violence conjugale. Et puis, il décide de parler. Est-ce que c'est mauvais? Vous deviez plutôt apprécier les hommes courageux comme ça de venir s'exprimer. Il y a des femmes qui font des coups aussi aux hommes. Écoutons souvent les deux versions. Ok? Je l'appelle, non? Pardon, écris un peu. Il s'appelait comment le profil là? Les gens sont toujours là en train de dire que machin. Lolo dit que le père de mes enfants a vie. Maman, tu y as mot ton beau-frère là jusqu'à. Mais quand tu y as mot ton beau-frère, parce que les hommes sont que, si tu montres que tu n'aimes pas sa femme, c'est pour le chasser. Parce que hein, les hommes que vous voyez là, hein, s'il aime sa femme et vous voulez toujours faire allusion à sa femme, il ne va jamais s'approcher de vous. Vous le chassez. S'il a envie même de s'occuper, de s'approcher de vous et que tout le temps vous parlez de ses enfants, vous pensez que vous parlez toujours de sa femme, il a choisi. Il a choisi. C'est comme ça. Il a choisi. Si vous parlez toujours de ses enfants, il a trois beaux gars. Tu fais la meilleure la publicité de tes... Je sais que c'est l'amour qui vous dérange. Tu aimerais voir ton beau avec son ex-femme, avec ta tante. Mais ma chérie, l'amour, c'est deux personnes qui le vivent. Parce que toi et papa font genre là. Si ce que toi, tu sens que ça ne donne pas. Si tout le monde te force. Il y a beaucoup de gens en Afrique qui sont en mariage à cause de la famille. Hein? Vous pensez que quoi? Ils sont dans le mariage, ça ne donne pas. Mais c'est que comme la famille, on dit que dans la famille. Pardon, tonton, écris encore, non? Dis-moi encore un petit mot, j'appuie sur ça. Parce que comme tu as écrit, c'est passé depuis. Ouais. Pardon, Dina, le profil là, c'est quoi? Pardon, dites alors qu'il écrit quelque chose. Donc, vraiment, vous savez, les problèmes souvent de couple là, c'est très délicat. Il y a des filles qui envoient leur mari en prison, après regrettent, et les hommes sont rancuniers. Quand une femme l'a envoyée en prison même, il dit que celle-ci, si elle m'aimait, elle aimait même les enfants. Tu ne peux pas m'envoyer au gata. Tu m'envoies pour que qui s'occupe de ces enfants-là. Pose, il faut aussi voir. On ne dit pas qu'on va tout accepter parce que machin, tout ça. Ouais, tonton, écris aussi, non, pour que je clique sur ton profil. Tu... Lolo dit que... Lolo, je ne vois pas, il faut qu'il écrive. Lolo dit que c'est un homme. Lolo dit que la photocopie, c'est. Tu n'as pas encore fait la talakou de ton beau-frère. Lolo fait la talakou de son beau-frère jusqu'à le feu sort. Maman, un grand. C'est un grand ingénieur, non? Qui apparemment gagne très bien sa vie, qui est même un super cadre, c'est ça, non? Un super cadre. Bon, il parle, vous voyez. Oh ouais, qu'il écrit, non? Non, Jean Cancan dit qu'il dit quelque chose, non? Qu'il écrit même un petit truc, non? Je ne vois pas. Tant qu'il n'écrit pas, je ne peux pas appeler. Mafo, il a fui, non? Il fuit quoi? On doit l'écouter, c'est important. Après, je vais appeler Président Amout. Dites à Président Amout de se connecter parce qu'il doit dire quelque chose. Il s'appelle Dida. Mais en fait, si vous voulez, je ne peux pas. Tant qu'il n'y a pas un commentaire, vous voyez, non. Ouais, pardon, dites-lui d'écrire, non. Dida Belmer, c'est vous qui. Je ne peux pas cliquer sur vous. Il faut que ce soit son commentaire à lui. Je clique sur lui-même quand il commente. Ah, vous aussi. Ok, ça va. J'appelle quelqu'un d'autre alors. Peut-être sa femme a refusé. Non. Je ne pense pas que sa femme a refusé. Sa femme n'a pas refusé. Arrêtez de dire que sa femme a refusé. Bon, on va appeler quelqu'un d'autre en attendant son commentaire. Peut-être qu'il n'est plus là. Oh, de tu n'as pas. Je ne veux pas. Je veux qu'on écoute. Hein. Il faut écouter. Parce que vous-même, vous êtes dans les foyers là. Ne voyez pas parce que moi, je vous discute sur Facebook là. Vous, ça ne donne pas.
Hein? Vous-même là, c'est sûr que ça ne donne pas, ou bien vous maltraitez vos hommes. Hein? Vous venez donner les leçons ici là, alors que est-ce que vous voyez, est-ce que vos maris voient clair? Est-ce que vous voyez clair dans vos foyers? Tonton, peu importe. Tonton, s'il te plaît, appelle non. Appelle Amot. Je ne vois pas Amot. Il parle un peu quelque chose en attendant, non? Eh, hey, tonton, appelle non. Sucré, Japap. Tonton, ouais, viens terminer, non? Il ne veut plus parler. Quelqu'un d'autre veut parler, là? Nathalie, pardon. Pourquoi tu dis qu'il ne viendra plus? C'est toi sa femme. Parce que vous les filles aussi, vous n'êtes pas petits dans les ménages ici. Et tous ceux qui se mettent dehors pour entrer dans les ménages des gens, là, ma fololo témoigne en attendant. Ok, on appelle Lolo. Vous voulez seulement que la team de ménage témoigne. Ok, on appelle la team de ménage en attendant. Vous avez bien mangé le ndolé aujourd'hui, non? Pendant que moi, je suis les mange que les caviar. Oh. Ah, vous aussi. J'appelle alors Lolo en attendant. J'appelle Lolo. Il faut qu'elle dise quelque chose pour que je voie. Lolo, dit un mot là. Que je voie. Il faut qu'elle écrive. Vous savez, les commentaires, ça passe, hein, ça monte. Ma faucelle, c'est quoi avec ton direct? Maman, oh, Marie la Rose. C'est le... Les gens, ils signalent. Dites à Lolo d'écrire un mot vite fait, là. Qu'elle nous dise qu'elle aime son beau-frère. Attendez, Lolo, fais un peu la talakou de ton beau-frère. Et laisse sa femme en dehors de ça. Parce que les hommes n'aiment pas qu'on mélange leur femme. Tant que tu prononces que sa femme, ça ne va pas donner. Tu sais que dans le ménage, quand une femme veut, l'homme veut, hein. Parce que tu ne peux pas vouloir et dire que sa femme, ça ne peut pas donner. Elle va barrer, c'est tout. Lolo est où? Elle est go. Ok, attends, j'appelle. Lolo est là. Dis quelque chose. L'autre est là. Lolo va parler. Elle va faire la talakou. Ah, il est là, il est là. Je ne suis pas partie. Lolo, je te coupe. Lolo, attends, il est là, attends, je coupe. Il est là. Ah, attendez, j'appelle Lolo. Elle fait d'abord la talakou de son beau-frère. Et puis, on le rappelle lui-même. Lolo va faire la talakou. Hein? Son beau-frère chéri, qu'elle aime tant. Son beau-frère chéri, qu'elle adore. Maman, oh, ça, c'est une chérie. Maman, ton beau-frère te regarde. Ma faute TV. PDG TV. Où l'aime l'organiser, même soeur? Où l'aime l'organiser? Hey, comment ça va? Maman, que mon beau-frère fait quoi? C'est le père de nos trois garçons. Le père d'Alexandre Junior et de mon grand-père chéri. C'est notre mari à vie. On ne sommes plus dedans parce que ma tante est occupée. Mais l'argent là, de l'ingénieur, on doit manger pour nous dedans. Il doit envoyer les deux de Mouna. C'est ça mon poids avec lui. Le reste, là, je ne gère pas. Ça, c'est eux là-bas. Mais il va seulement donner l'argent de Mouna, c'est tout. S'il a même ça, il doit donner. C'est un ingénieur, il a là l'école, le gars. Il a l'école, c'est un gars qui est quand même bien positionné. Maman, tu n'as pas vu la photo de mon neveu. C'est pour ça qu'on dit que quand une femme a un bon mari, il faut bien le garder pour qu'il ne go pas. Il faut bien. Marco, tu n'as pas vu mon neveu, le premier. Comment il y a le jumeau de son père, Alexandre Junior. Il avait son anniversaire l'autre jour. Maman, Sarah, pardon. Mon beau, moi, il n'ai aucun point avec toi. Tout ce que je te demande, c'est que même si tu as 200 euros, tu envoies. Alexandre a le droit de manger ton argent. Et mon grand-père. Pardon, mon père. Moi, je n'ai pas le poids avec toi. En même temps, je voulais témoigner pour la violence conjugale. Moi, j'ai été victime. Hein. J'ai été victime quand j'étais en Afrique. Avec ta grande gueule là, un homme peut te taper. Non, là, je ne blague pas. J'étais victime quand j'étais à Libreville. J'avais rencontré un garçon, un gars de Ngomédia. Un gars de Madagascar. On s'est rencontrés. Ma soeur,
Le gars là me tapait matin, midi et soir. Ça veut dire que le jour que l'eau s'y gonfle, le lendemain, il m'a mis ma soeur et ma cousine. Eh, mon frère, quitte là-bas. Un sale chien, un machin, également une pourriture. Je ne sors plus avec toi. Le lendemain, je suis couché avec lui dans le même lit. Ça, deux semaines après, il donne encore aussi sur l'autre œil. L'autre œil gonfle, l'œil au beurre noir. On m'avait assuré que l'œil au beurre noir. C'est vrai que ça Ton beau gonfle frère, depuis tu le sais, coup. il n'est pas parti, il fait tout partie de la famille. Ah, Il est vite, de... est-ce que Bon, mon histoire. Le gars là m'a tapé, maman. Tu sais, j'avais souvent honte d'aller dire à mes copines que mon gars me tape. Je cachais, je cachais, je cachais. Je n'ai pas au Cameroun en vacances. Ma mère me dit que, hé, mon enfant qui n'avait même pas une cicatrice au conso doit avoir des cicatrices comme ça. J'ai dit que, maman, c'est un gars là qu'on appelle grand pour Gabon qui a failli me tuer. Le gars là me tapait, Flo. J'ai dit que là, je vois un homme qui tape une femme. Quand un homme gifle une femme, moi j'ai la chair de poule. Je donne le conseil à Maman, mes ça sœurs. m'a tapé. Moi-même, j'ai été Hey, maman. Le gars là me tapait, dit que maman, mais c'est maman, ou c'était seulement la bonne binda, ou c'était quoi, je ne sais pas ce qui me retenait sur le gars là. Maman, le gars, Le jour. le problème, c'est que quand le gars te tape la nuit, là, tu as mal à l'œil, il dit qu'il veut me binder à ma soeur. Il s'est